parce que c'est le seul cursus à proposer une formation complète en chinois en Suisse romande, et qu'apprendre une langue sans son contexte historique et culturel ne permet pas de la maîtriser de façon optimale. Et parce que même si le chinois est considéré comme une langue rare en Occident, il est en fait parlé par un nombre non négligeable de locuteurs à travers le monde. Parce que aussi, l'esprit critique développé tout au long du bachelor permet vraiment d'appréhender de façon globale le monde sinophone, donc dans son ensemble, donc, que ce soit en Chine, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, etc. Et parce que les cours proposés à l'unité de chinois rassemblent en fait différentes disciplines comme la littérature, la philosophie, la géographie, l'histoire, etc. Et les professeurs sont tout au long du bachelor très disponibles et se montrent très à l'écoute, ce qui permet vraiment d'étudier dans des conditions optimales. Ce bachelor n'exige aucun prérequis et est ouvert à tout le monde. Il offre un enseignement sur 3 ans, divisé en 2 volets distincts. Le premier volet concerne la langue moderne. Les étudiants étudient la langue écrite et la langue orale. Le deuxième volet porte sur les aspects culturels. Initiation à l'histoire, initiation à la littérature moderne et à la littérature classique, et enfin initiation à la philologie à travers l'étude du chinois classique. La langue d'enseignement est principalement le français et ponctuellement l'anglais. La grande majorité des cours, séminaires de langue, séminaires thématiques, etc., exigent un grand investissement de la part des étudiants. Ces derniers sont peu nombreux dans notre unité, ce qui leur permet d'avoir un contact rapproché avec les professeurs et les chargés de cours. L'étudiant ou l'étudiante doit faire preuve d'un goût pour la lecture, avoir l'esprit d'ouverture et être naturellement curieux. Les débouchés dépendent beaucoup de la combinaison des branches choisies. Nos diplômés travaillent dans des domaines variés, tels que le journalisme, la traduction, l'enseignement, l'administration, les relations internationales, les banques et les entreprises internationales. Dès la deuxième année, les étudiants sont encouragés à faire un séjour académique en Chine ou à Taïwan, ce qui leur permet d'ancrer solidement leur connaissance de la langue et de la mettre en application sur le terrain. La durée des séjours peut varier de 1 mois à 3 mois, voire 1 année et même davantage. Il existe de très nombreuses bourses et les étudiants sont assistés dans toutes leurs démarches administratives en vue de leur obtention. Vous êtes bienvenus, nous vous attendons.